Ce samedi 18 mars dans The Voice 2023, Big Flo a eu un vrai coup de cœur pour Prisia, championne de France de beatbox, après avoir assisté à ses auditions à l'aveugle. Pour la quatrième semaine consécutive, les coachs de The Voice 2023 se retrouvent dos à la scène pour écouter les prestations des candidats. Zazie, Big Flo et Oli, Vianney, qui a été surpris de voir une candidate qu'il connaissait déjà, et Amel Bennett constituent peu à peu leurs équipes avant les battles. Ce samedi 18 mars, de nouveaux talents se sont présentés devant eux pour tenter de les impressionner et surtout de les faire appuyer sur les buzzers. Parmi les candidats de ce soir, Prisia, une jeune femme de 26 ans, originaire du Portugal mais qui habite en région parisienne depuis une dizaine d'années. Prisia, The Voice 2023, fait retourner tous les coachs quelques secondes avant de livrer sa performance devant les juges. Prisia admet être très stressée, j'ai peur, mais cette peur finalement va être un trac de guerrière que j'ai toujours eu pour aller le plus loin possible dans cette aventure. Elle se lance finalement dans une reprise de Tôt de la matin de Gaël Faye dans laquelle elle alterne entre le chant et le rap. Après une bonne minute à chanter alors que les coachs ne se retournent pas, Zazie finit par appuyer sur son buzzer. Puis, Big Flo et Oli, même si ce dernier était un peu hésitant. Et enfin, Amel Bent et Vianney à la dernière seconde. Une façon de faire qui agace les frères qui n'hésitent pas à parler de Vianney. Toutefois, une chose intrigue les frères puisqu'ils se demandent si est-ce vraiment elle qui fait de la musique avec sa bouche, mais rapidement, elle leur confirme que oui, ce qui les rend encore plus admiratifs. Si ça ne part pas avec nous, je quitte l'émission The Voice France, on a beaucoup aimé ta proposition, admet Oli. Je trouve qu'il y avait trop d'énergie. Tu as déballé tout ce que tu avais en magasin, du coup, ça faisait un peu trop bordélique, mais ce n'est pas grave car le talent, il était là, ajoute Big Flo. Par la suite, ce dernier s'emballe un peu trop et pense qu'il n'y a pas de doute et que Prisia va partir avec eux. Si est-il sûr que ça part avec nous car si ça ne part pas avec nous, je quitte l'émission The Voice France. Je ne peux pas dire mieux. Malgré les mots des frères toulousains, Prisia n'a pas décidé d'aller dans leur équipe et choisi de poursuivre l'aventure The Voice avec Zazie. Big Flo ne revient pas et ne parle plus. Allez, sans rancune. À lire aussi Vianney, The Voice 2023, face à une candidate qu'il connaît bien, il monte sur scène pour chanter avec elle.